Salut à tous et à toutes, bienvenue donc pour une petite vidéo de Papy Corse, comme d'hab. Nous sommes le lundi 22 juin 2020, il est vers 18h30 maintenant. Et là je suis en face d'un petit village construit en miniature, un village imaginaire. Voilà, donc c'est pas mal, vous voyez, hein. Voilà, voilà ma main, hein, voilà. Donc c'est un village imaginaire fait par un artisan, hein. C'est vraiment superbe, voilà. Donc là, vous le trouvez à Ponte Nova, sur la route de Ponte Nova, juste à l'entrée de Ponte Nova. C'est magnifique, magnifique. Donc c'est fait en pierre, hein. Je vous confirme que c'est fait en pierre. C'est pas du carton. Voilà. Super grand. Magnifique. Voilà, pour vous donner un petit peu la dimension, une tour génoise en plus, hein, vraiment bien fait. Ah, il y a des panneaux, je sais pas ce que c'est, ça, c'est des panneaux faits maison. Faut peut-être pas monter, hein, je pense. Faut pas monter. Mais c'est vraiment de la pierre, hein. C'est pas du carton, c'est vraiment des cailloux, hein. C'est magnifique, magnifique. Donc l'artiste, hein, il y a un petit cochon, hein, petite tirelire pour l'artiste. Je sais pas si j'ai une petite pièce, allez, hop, soyons généreux. Voilà. Voilà, je mets pour l'artiste. Bon, c'est pas grand, c'est 2 euros. Hein, 2 euros, je mets 2 euros. Voilà. Parce que je trouve ça magnifique. Voilà, c'est fait. Donc hein, pour l'artiste, merci. For the artist, thank you. Ah, ouais, je suis six-ling, moi. Der Kanzlerdank, ça c'est de l'allemand, donc premier c'est français, deuxième c'est anglais, troisième c'est allemand. Mucha gracias, pama el artista. Artista, bon, ça c'est espagnol. Gracias per l'artista, ça c'est. Je ne vais pas dire de bêtises, hein, c'est italien, j'espère. Je sais pas. Obrigado per l'artista, c'est peut-être du portugais, je ne sais pas. Hein, faut... Per l'artista grazi. Ah non, ça serait plus. Alors je ne sais pas, parce que l'italien et l'espagnol, j'ai du mal. Voilà. Donc excusez-moi hein, si je me suis planté. Et là, c'est mis village imaginaire Cariolu. Hein, donc c'est ainsi que son créateur a choisi de le baptiser en souvenir du vrai Cariolu. Disparu en 1650 avec pour outil un burin, un marteau et des tenailles. Il a commencé en 2002, donc ce village, et il finira, on ne sait pas. Alors, je ne vais pas vous lire après, hein, parce que je vais écorcher les mots et je veux rester dans le respect. Hein. Voilà. Voilà. Donc c'est magnifique, franchement c'est magnifique, c'est joli. Voilà. C'est superbe. Voilà, donc c'était une petite vidéo hein, de ce qu'on peut trouver dans des petits coins corse où il faut vraiment fouiller, hein, parce que c'est pas très très connu. Bah, moi, je vous montre. Donc, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo et j'espère que ça vous a plu. Ciao, ciao, bye bye.